Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Faites quoi dans la vie, monsieur? Moi, je suis nouveau, je suis payeur. Je suis avocat au Gros Barreau, monsieur. Sterling et ça, Cooper. C'est un beau métier, ça. Ah, c'est un très beau métier. Vous connaissez le Gros Barreau, monsieur? Non, je connais pas, je connais pas. Je peux prendre votre numéro comme ça si vous en avez. Mais bien sûr, attendez. Ça marche. Ah, et mon associé arrive. C'est Sterling et Cooper, avocat au Gros Barreau, monsieur. N'oubliez jamais. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu, Sterling? Alors. Ça va bien, Cooper. Ça va très, très bien. Tu as bien dormi? Oh, attends, j'ai mis ma sacoche. Maintenant, je vais. Mais oui, mais c'est normal, il faut toujours en deux fois. Évidemment. Tu as bien dormi, t'as bien préparé le dossier. J'ai bien préparé le dossier. J'ai bien travaillé sur l'affaire en cours. Voilà, comment ça me casse. Et vous-même, avez-vous travaillé sur l'affaire en cours? Oui, bon, je pense que c'est une affaire gagnée d'avance pour les Oui, je pense qu'on va juste dire que c'est gagné. Voilà. C'est gagné. Mets-nous au palais de justice, s'il te plaît. Oui, bien sûr. C'est où le palais de justice, Cooper? C'est près du palais des glaces. Tonton! Oui, ma petite défi, comment vas-tu? Bah, ça va beaucoup mieux. Je me suis reposée ces 5 derniers jours, j'étais blessée. Il faut se reposer, oui, bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu sais que j'ai failli aller en prison. Ah bah non, je sais pas grand chose pour être honnête avec toi. T'as loupé trop de choses, mon tonton. Oui, bah oui, bah la dernière fois que je t'ai vu, t'étais en train de prendre en otage des gens. Ah ouais, une broutille. Peut-être, sûrement. Est-ce qu'on peut se voir après? Ouais, on peut même se voir maintenant, tonton. Non, après. Bah après. Si tonton dit après, c'est après, hein, s'il te plaît, Evie. Oui, dis-lui qu'on a un boulot pour elle. On a une première affaire au tribunal, là. Oui, et on a un boulot pour elle, rappelez-lui. Dis-moi, attends, est-ce que tu te fais chier ou pas ce soir? J'essaie de me faire plus discrète, tu vois. Ah, mais d'accord. Non, ouais, j'avoue, je me fais chier. D'accord, ok. Non, parce que si jamais tu veux t'occuper d'une petite avocate, bon, tu sais qu'elle est ici, hein, voilà. Oui, et puis le procureur, Cooper, okay. Le procureur. Bah, en fait, ce soir, je voulais buter une poucave. Oui, bah, tu te fais pas plus discret, quoi. Si, parce que j'évite de faire trop de brouhaha, tu vois. Oui, j'entends bien. Tu veux tuer qui? Otis. Le procureur. Oui, le procureur, ça te tente pas de... Mais le procureur, il me faudrait une vraie raison, tu vois, quelque chose qui me pousse à avoir envie de lui expliquer. Oh bah le procureur, et de jouer au foot avec. Il veut ta tête. Est-ce que ça suffit comme raison? Est-ce que t'en veux vraiment d'autres? C'est lui qui tire les ficelles de la police, donc... oui. Oublie pas quand même que c'est lui qui gère la police, alors qu'il ne devrait pas, vu qu'il n'est que simple procureur. J'en avais aucune idée de ça, qui gérait la police, tu vois. Ah bah, je pense qu'il faut le remettre à sa place. Mais dans quel monde un procureur gère une police? Bah, dans aucun monde à part celui-ci, ma grande. C'est bien ça le problème, et c'est ce qu'avec Sterling, on se pose comme question. D'ailleurs, j'ai un de mes gars qui a été en prison sans jugement, ça c'est aussi incroyable. C'est bizarre ce tribunal, Sterling. Oui, mais il y avait marqué The Palace, donc le palais. Non, il faut pas. Il a voulu un avocat, on lui a refusé, il a dit bah non, t'es un terroriste, tu vas en prison. Il m'a dit le palais. Oui, mais ça c'est pas normal, on a essayé de parler au procureur. Figure-toi qu'en anglais, le palais c'est The Palace. S'il te plaît, on a essayé de parler au procureur au sujet de cette affaire. Bah justement, ton ami le procureur, tu voulais une bonne raison? Il en a juste rien à foutre, il nous écoute pas, il réagit comme un gamin quand on essaye de lui parler. Ok, bah écoute, ça va être très simple. Lui d'ailleurs, je vais essayer de le choper. J'ai trop de monde à choper, tonton, en ce moment. Oui, mais fais en ordre de priorité, ma petite fille. Ordre de priorité, Otis. Hors de ensuite, priorité, procureur, c'est ça. Allez, à plus tard, tonton. Allez, à plus tard, hein. Écoute, j'ai mis le gouvernement. On y va, bien sûr, oui. C'est quoi son programme ce soir? Je veux dire, à part jeter des grenades par les fenêtres. Bah écoute, tuer quelqu'un, Otis ou je sais plus. Oui, bah autant que ça soit pour nous, je veux dire. Qu'est-ce qu'elle est con? Elle est gentille. Oui, elle est con, elle est gentille. Elle fait partie de la famille, mais elle est con. Oui, hein. Ben voilà. Je peux te dire qu'elle est con. T'as oublié ta sacoche. Non, je l'ai. T'as oublié ta sacoche, Sterling. Non, je l'ai à la d'accord. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Avocat au Gros Barreau. Sterling et Cooper, avocat au Gros Barreau. Ah, vous voulez donc que je... Attendez, donc vous avez rendez-vous avec moi, c'est ça, messieurs? Pardon. Pour que je vous donne le droit d'exercer en ville. Pardon. Pardonne, mais qu'est-ce qu'il y a? On ne vous comprend non, pas. Laissez-le tranquille, madame. Oui. Oula, vous savez à qui vous vous adressez, par curiosité? Ben, je ne sais pas, je... je ne sais pas. Les présentations n'ont pas été faites. On s'est présenté, mais il n'y a pas eu de présentation. Peut-être des présentations seraient d'accoutrement plus adéquates. Écoutez, ouais, pour faire très simple, messieurs les avocats, aussi la présidente de Los Santos. Voilà, bonjour madame. Très bien, bonjour. Bonjour, voilà. Merci. Et donc? Bah, et donc, tous les avocats qui souhaitent exercer en ville passent par moi? Mais nous étions passés par l'ancien président. Bah oui, nous étions
passer par le président. Nous sommes dans la règle. Nous sommes bien avocats, nous sommes dans les règles et nous venons pour une affaire. Une affaire rondement menée d'avance pour nous d'ailleurs. Oui. Ah, mais c'est vous, les avocats. Oui, ok. Et oui, Sterling Cooper, madame. On s'est présenté, on s'est présenté. Avocat au gros barreau. Avocat au gros barreau, madame la présidente. Oui, oui. Oui, le gros barreau de la justice. Je vous emprunte juste, monsieur le juge. Vous empruntez qui vous voulez, madame. Vous empruntez qui vous voulez. Je vous le donne après, d'accord. Je vous en prie, madame. Empruntez donc, empruntez donc. La présidente. J'ai cru entendre, je ne les apprécie pas. Ah bon ? Il y avait une négation dans le... Oui, d'accord, je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu. Oui. Bon, bah ça commence bien cette première rencontre avec... on ne la connaît pas, donc je ne vois pas... Oui, non mais oui, Maître Cooper, j'écoute. Oui, est-ce que vous êtes bien au drapeau gouvernement ? Non, c'est pas la justice, les procès, monsieur Cooper. Ah, c'est pas la justice ! Ah, pas mince, voilà. Ah, pas de soucis, mais vous en faites pas, ne vous pressez pas, visiblement. L'avocate de la partie adverse n'est pas disponible ce soir pour cause de chasse au trésor, alors... Oui, bah c'est bon, c'est qu'on a gagné l'affaire, monsieur. Vous parfait, bah on avait déjà gagné même avec sa présence, de toute façon. Voilà, envoyez-moi les coordonnées, s'il vous plaît, monsieur. Ouais, je vous envoie ça tout de suite. Allô ? Oui, bonjour madame la présidente, Sterling et Cooper, avocat au gros barreau. Ah, encore ? Oui, bah oui, parce que vous êtes parti. Bah je suis rentré dans le gouvernement, oui. Bah oui, mais vous partez comme ça. Bah j'avais rendez-vous. D'accord, et vous nous... Ok, parce que vous nous avez juste dit on revient, mais vous n'êtes pas revenu, madame. Bah parce que je suis toujours en rendez-vous. D'accord, bah nous sommes partis alors. Hein. Et vous nous avez sommes besoin un procès, de quoi, madame ? Bah nous avons besoin de rien, c'était juste pour vous dire que nous partons par signe de politesse, madame. Voilà, nous nous sommes présentés. Bien, c'est apprécié, merci beaucoup. Passez une agréable soirée. Passez une agréable journée, madame. Merci beaucoup. Allons-y. Eh ben, vous bonjour, madame, passez une bonne journée. Par contre, vous ferez attention, on voit votre string, madame. Oh, il n'a pas été chez le coiffeur, de toute évidence. Ah oui, il a écouté nos conseils. Non, aucun coiffeur n'était disponible la semaine. Mettez un capuchon. Je mets un capuchon. Mettez une cagoule, monsieur. Un capuchon. Non, vous êtes bien, ça va. Restez tel quel. Oui, non, les vêtements sont chic. Sinon, je mets une casquette. Là, c'est très bien. Là, c'est parfait. Nickel, parfait, là. Alors, du coup, il n'y a ni monsieur le juge, ni le parti adverse, ni l'avocat du parti adverse. Quoi ? J'ai pas de nouvelles. On a gagné. Voilà, c'est ce qu'on appelle une victoire tout en haut. Vous avez une nouvelle de qui, là, finalement ? Ne rigolez pas tout de suite. Il y a une chasse au trésor, et du coup, c'était plus important que le procès. L'avocate est à la chasse au trésor. Autant l'avocate, chasse au trésor. Mais le juge de mes couilles, là. Bah, il est possible qu'il soit à la chasse au trésor. Appelez-le. J'ai pas son numéro, mais je peux appeler monsieur l'huissier. Oui, appelez tout le monde. C'est quoi cette chasse au trésor, monsieur ? Je sais pas du tout. C'est un événement organisé par le LS Custom, je crois. Ils ont 6 ans ou quoi ? Comment ça se passe ? C'est bien possible, hein. Je vais appeler le juge. Je vais appeler la présidente. J'appelle la présidente. Appelez tout le monde. Je vais me mettre oui, en demeure. Bonsoir, monsieur le juge. Comment allez-vous ? Bien, et vous ? Bah oui, bah on vous attend pour l'affaire, monsieur le juge. Bah, attendez, parce qu'actuellement, on a un souci avec madame l'avocate, maître Harley. Oui, qui est dans une chasse au trésor. Bah, dans ces cas-là, c'est que c'est perdu pour elle, en fait, l'affaire, monsieur. Oui, bah, dans ces cas-là, monsieur le juge, c'est perdu pour elle, hein. Il faut... Vous êtes sûr qu'elle est dans une chasse au trésor ? Oui, pareil, oui. C'est elle-même qui l'a dit, hein. Une chasse au trésor, comme si on avait 8 ans, hein. Elle en a rien à foutre de cette affaire, monsieur. Donc, on vous attend au tribunal à côté du commissariat et on va régler cette affaire. Vous êtes bon d'ailleurs. Vous êtes torse nu. Bien reçu. Vous êtes le juge, monsieur ? Oui, c'est bien ça. Ouais, bonsoir, ouais. Vous êtes le juge ? Non, j'attends juste un air. Non, Dieu merci. Je vais pas me pointer torse nu quand même. Oui, non, mon ami, on a bien un lit. Oui, bien sûr. Enfin bon, dans cette vidéo, je vous étonne, monsieur. Oui, maître. Oui, donc vous venez, monsieur. Oui, c'est vrai. Oui, j'arrive. Très bien. Oui, le juge arrive. Ok, bah moi j'ai eu la présidente, elle est en train de contacter Madame Harley, qui est l'avocate du parti adverse. C'est une honte. Eh ben c'est une très belle histoire. Est-ce que la présidente va venir ? C'est possible. Et pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi elle viendrait ? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée, mais avec tout ce comment qui se fonctionne dans cette ville la loi finalement ? Bah j'en sais rien parce que visiblement le juge fait passer des lois aussi, donc d'après ce que j'ai compris. Ah ouais, non mais elle me demandait pas plus ça, j'ai entendu des choses. Attendez, qui vous a dit ça ? J'ai entendu ça dans une conversation, mais je ne vois pas vous dire. Ces lois-là, j'espère. Oui. Je sais pas, honnêtement, je sais pas comment ça fonctionne, je suis pas au cœur du gouvernement, mais... Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes. Vous êtes qui, monsieur ? Je vous présente, c'est mon frère, monsieur McCormack Elliott. D'accord, bonjour. D'accord, vous avez un lien dans l'affaire ou quelque chose ? Absolument, il était à la gestion du garage Green Motors au moment où... Très bien, vous pourrez donc confirmer les détournements et autres... Ah bah oui, j'étais à la gestion des comptes, ils m'ont jamais présenté aucun justificatif. D'accord, oui, vous parfait, vous non, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais il arrive, la présidente vient de me dire qu'il était en chemin pour le palais de justice. D'accord, il y a un monsieur qui compte.
Avec un holster, hein. J'espère que ce n'est pas le jeu. Oui, ça doit être un policier. C'est monsieur, c'est... Non, non, c'est monsieur Ozaru, c'est le parti adverse. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que monsieur Senkosu est venu ou pas? Pardon? On ne l'a pas vu. Monsieur Kosu, est-ce qu'il est passé? Il y a monsieur Ozaru qu'on vient de voir passer, quoi, mais qui n'est plus là. Et vous, vous êtes qui, monsieur? Oui, vous êtes qui, monsieur? Agent 100, j'essaie de régler l'affaire là pour que ça se termine vite. Ah oui, cette affaire. Comment t'as réglé l'affaire? Régler l'affaire, enfin que le jugement se fasse, quoi. Ah, oui, il est là, monsieur Kosu, c'est parfait, pas tout le monde est là. Ah, il n'y a pas notre avocat, je crois. Je sais pas si on a une avocate. Si, elle est là. Bonsoir, elle est à l'intérieur. Elle est partie parler, ouais. Ok, super. Allons voir les lieux, mais. Oui, allons-y, c'est bon, on a assez attendu, monsieur. Pouvons-nous passer à l'affaire, monsieur? Vous pouvez rentrer, vous asseoir, monsieur. Allons-y. Alors, j'ai envie de savoir déjà, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on vous entend. Oui, monsieur le juge, votre honneur. Ok, ok. Alors, donnez-moi deux petites secondes que je me retrouve quand même. Alors, messieurs, cette affaire oppose les employés du Drift Motors contre le propriétaire de ce dernier. Cette affaire aussi est une affaire de propriété principalement et de droit d'exercice de fonction. Je veux avant tout vous rappeler, messieurs, que ce débat se fera de façon calme, sans tension, s'il vous plaît. Je veux aussi que vous respectiez les conditions de la parole, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la main, je vous autorise absolument pas à parler, sous peine à ce que non seulement ça ne fasse qu'envenimer les choses, mais en plus ça puisse totalement jouer en faveur du camp opposé, s'il vous plaît. L'affaire, à mon avis, est relativement délicate d'un point de vue code civil et aussi d'un point de vue code du commerce. Avant tout, je préfère mettre les choses au clair sur un sujet principal, le papier que Monsieur le Président avait signé pour Monsieur le Banquier. Je préfère mettre clos à ce débat dès le début, étant donné que c'est une information qui m'a été donnée par Madame la Présidente actuelle, Madame Lewis Jane. Je veux totalement vous informer que actuellement, le papier de propriété de Monsieur le Banquier est totalement valable, malgré le fait qu'il n'y ait pas de date. Étant donné qu'il y a eu une erreur lors de l'impression, mais l'accord entre le gouvernement et monsieur le banquier sur l'accord de vente est totalement valable. La main est à vous, maître Harley. Donc, je suis maître Harley, avocate du Drift Motors. Avant toute chose, je voudrais remercier toutes les personnes présentes dans cette ainsi que les avocats du parti opposé et monsieur le juge. Si nous sommes présents ce soir, c'est pour défendre les droits du Drift Motors qui donc d'après malgré objection les votre honneur de madame, il ne s'agit pas des droits de madame la présidente de... et l'ancien objection, président objection votre honneur objection est valable objection. D'accord, soyons clairs, objection j'ai dit que monsieur le juge l'a dit. Comprenez qu'on dit objection. Maintenant moi j'aimerais parler monsieur Sterling parler un peu plus fort de la part de monsieur le juge. Objection votre honneur, il ne peut s'agir d'une défense du Drift Motor, étant donné que le Drift Motor, notre client en est le propriétaire. Donc il faut que Madame Harley, si elle veut bien, stipule qu'elle défend le nom de ses clients et non l'identité de l'entreprise, s'il vous plaît. Merci. Accordé. Recentrez-vous, maître Harley, s'il vous plaît. Ouais. le way qu'elle a lancé. Je me suis renseigné un peu aux alentours des entreprises qui ont été entre guillemets achetées par Monsieur McCormack, avec en récupérant donc les fiches de paye des employés ainsi que le chiffre d'affaires des entreprises. Je me suis renseigné auprès du LS Custom qui ont un trou dans leur compte d'entreprise de 619 000. Dollars qui ont été d'après eux retirés par monsieur McCormack étant donné que c'est le seul qui a accès au compte. Le Drift Motors du coup qui en aurait perdu 500 000 et je dis bien le Drift Motors parce que même s'il en est patron il n'empêche qu'il y a des règles ainsi que monsieur Hassan qui se retrouve avec moins 250 000 sur son compte en banque. Excusez-moi d'intervenir, quel est le rapport avec l'affaire madame? Alors je m'explique. Si monsieur McCormack se définit en tant que propriétaire de toutes les entreprises, excusez-moi, pouvons-nous parler du fait qu'il détourne de l'argent? Alors, quel rapport avec l'affaire? C'est une question que je suis en train de poser au juge. Excusez-moi. Je fais une objection dans ce cas-là. Maître Harley, je vais vous demander si vous pouvez vous recentrer sur le fait que actuellement l'affaire porte sur la propriété d'entreprise. Eh bien dans ce cas-là, j'ai rien à dire. Voilà. Je pense que Maître Harley, alors tout d'abord, enchanté Maître Harley, j'espère que votre chasse aux œufs s'est bien passée pendant cette affaire. Quel est le rapport au sujet de l'affaire, là? Alors, je vous remercie de parler de ma chasse aux œufs, mais c'était plus un problème familial, mais je oui, vous mais remercie. Quel est le rapport au sujet de l'affaire, là? Et comment ça? Le rapport, vous savez le lien qui relie ces deux choses, là, entre cette le histoire... Le lien, oui. Le petit... Vous savez le rapport, là, autour vous de savez, cette affaire, la, oui. La petite connotation entre le A et le plus et le B... Le petit rapport, là... Il n'y en a pas, voilà. Bah voilà, monsieur le juge, vous pouvez juger. Bah.
Bah voilà. Mais avant tout, je vais peut-être relancer un peu plus le débat, étant donné que ça fait très peu de temps qu'on est ici, malgré le fait que la question est répondue sur le droit de la propriété d'entreprise. Nous allons parler à travers une requalification des faits cette fois-ci, non pas sur la propriété d'entreprise, mais sur effectivement la responsabilité, on va dire, contractuelle de monsieur le banquier d'un point de vue de l'entreprise du Drift Motors. Oui, votre honneur, c'est très bien d'avoir amené ce sujet-là. Il s'avère qu'il est reproché à notre client, le banquier, d'avoir utilisé de l'argent pour ouvrir une autre société, chose qui, d'après le parti adverse, serait évidemment contre. Instructif, sauf que c'est totalement légal. Effectivement. Objection, s'il vous plaît. Signalez votre objection, madame. Signalez votre objection, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Je tiens à préciser comme quoi, à l'heure actuelle, qu'on soit d'accord, peu importe s'il est patron d'entreprise, peu importe le nom, déjà le fait qu'il monopolise un. Madame, ce n'est pas une objection, c'est un argumentaire. Donc si vous avez une objection, je vous prie de faire une objection. Il a raison, faites votre travail d'avocat. Monsieur Sterling, Maître Cooper, s'il vous plaît, laissez la parole à Maître Harley. Oui, mais c'est un argumentaire, monsieur. Ce n'est pas laissez la terminer, s'il vous plaît, monsieur. D'accord, mais il faut comprendre les lois. Nous, on les connaît, monsieur. À l'heure actuelle, il est patron du LS Custom ainsi que du Drift Motors. Du Beniz. Avez-vous étudié le dossier, madame? Mais comment voulez-vous que j'étudie le dossier alors que les derniers éléments qu'on m'envoie, c'était il y a une demi-heure. Monsieur, la tension commence à se faire entendre, s'il vous plaît. Je vous demandais de rebaisser d'un ton, s'il vous plaît. Je vous poussais quand même de rebaisser d'un ton et laisser quand même Maître Harley terminer son argument, voire son objection. Je n'ai plus rien à dire, votre honneur. Avez-vous d'autres éléments à apporter, Maître Cooper, Maître Starley? Non, j'ai une question à poser à Maître Harley. Avez-vous des preuves, Maître Harley, de ce que vous avancez? Je vais envoyer par mail à monsieur le juge. Les fiches de paye, etc. Et si vous voulez, je vous les envoie aussi. Il n'y a aucun souci. Oui, nous voulons bien, madame. D'accord. Oui, nous voulons bien, mais ce sont des fiches de paye, madame. Donc... Oui, avec un chiffre d'affaires, avec tout ça expliqué dedans, et ainsi que les ressources manquantes. Nous faisons ça pour vous, madame, n'oubliez pas. Oui, bien sûr, on va en parler des ressources manquantes, croyez-moi, on va en parler. Est-ce qu'on peut parler aussi des contrats de travail? C'est-à-dire? C'est-à-dire que mon client, donc à ma droite, avant le petit débat qu'on avait tous eu au Drift Motors, avant qu'il se passe tout ça, mon client était en tant qu'employé là-bas. Alors mon client a travaillé au Black sous les ordres de Monsieur McCormack. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez, Maître Harley? Oui, étant donné qu'il a été payé 250 000 vis-à-vis de son emploi pendant la semaine, et que bizarrement, ces 250 000 ont été retirés de son compte en banque. A-t-il déposé une plainte préalable à ce préjudice, si je peux appeler ça un préjudice? Il a dit oui. Oui. Actuellement, cette affaire ne porte pas sur ce sujet-là. Si une plainte est en cours, j'imagine qu'une enquête aussi. On aura l'occasion de se recroiser, Maître Cooper, Maître Sterling et Maître Harley, avec vos clients respectifs, pour parler d'une autre affaire, justement, cette dernière. Mais actuellement, je suis navré, Maître Harley, je suis obligé de recentrer le sujet par rapport à cette affaire-ci. Et j'aurai toujours rien de plus à ajouter. Étant donné que, avant même que le procès commence, vous aviez déjà défini comme quoi il était propriétaire du Drift Motors, selon les dires de la présidente. Dans ce cas-là, il faut apporter les preuves contraires, madame. Bah oui, il faut apporter les preuves. C'est pour ça que je dis comme quoi je n'ai rien à dire. Oui, voilà, il faut faire son travail, tout simplement, madame. Quoi? Non, rien, il parlait de travail, je ne vous inquiétez pas. Monsieur... C'est une blague, là. Maître, s'il vous plaît, je vais vous demander d'un point de vue de la provocation de cesser cela. Il n'y a pas de provocation, c'est un constat. Monsieur. Je comprends votre point de vue, mon cher, votre honneur. Enfin, la séance est suspendue le temps que j'émette un verdict, s'il vous plaît. Oui, une petite pause cigarette ne nous fera pas de mal. C'est une affaire gagnée. Oui, on y a été doucement. Ah oui, aussi pour noter, mon frère n'est pas patron du Beniz. C'est moi qui suis patron du Beniz et j'ai tous les documents pour le prouver. Donc elle dit n'importe quoi. Elle sait pas où elle va. Oui, c'est gagné. Là, si du coup vous gagnez le procès, on est d'accord que vous serez propriétaire du Drift Motors. Tout à fait, j'ai le cas. Vous allez pouvoir payer monsieur Kossou. Eh ben écoutez, merci M. Kassi, merci pour le travail. Merci Kassi. Attendez, ça concerne notre affaire là peut-être. Ouais. C'est pour savoir, c'est. Oui, non, voilà, monsieur Policier, je vais vous demander de. Voilà. Je parle avec monsieur McCormack. Moi j'écoute mon avocat. Et moi, mon client me parle à moi, voilà. Tout simplement, monsieur le policier. Si mes avocats décident que je ne dois pas prendre la parole, je ne prends pas la parole. C'est une affaire qui est en cours, monsieur le policier, on parle pas comme ça avec mon client. Une affaire qui est en cours. Très bien, mais est-ce que je pourrais aller avec vous du coup? Je posais la question, c'est pour moi. Voilà, en tant que auxiliaire de justice, monsieur, je vous dis, ne parlez pas à mon client. Très bien, monsieur. Et vous voulez pas parler avec moi, monsieur, ou pas, monsieur? Je sais pas quoi vous dire. Oui, si vous voulez. Je sais pas, est-ce que vous êtes au courant de l'affaire déjà?
Oui, bien plus. Vous croyez que nous sommes cette piètre avocate? Je sais pas, je vous pose la question. Oui, bah, bien sûr que oui, nous sommes au courant de cette affaire. Nous allons rendre la gagner, tout simplement. Donc dites-nous. Bah, bravo, bah, du coup, j'aimerais savoir là, monsieur McCormack, qui va être donc déclaré. Ça ne concerne pas l'affaire, monsieur. Ça ne concerne pas l'affaire. Mais c'est quoi l'affaire en fait alors? On ne sait pas, justement, on essaye de comprendre. Mais c'est une blague, sérieusement. Et il n'y a aucune blague, allez voir ça aux parties adverses, c'est eux qui ont voulu y aller là. Putain, c'est impossible. Là, le souci en fait, c'est que si vous voulez. De base, quand moi je suis allée voir pour le Drift Motors, d'accord, j'avais les preuves montrant comme quoi le document n'était pas daté. À partir de ce moment-là, ça voulait dire comme quoi il y avait une preuve, enfin une faute, d'accord. Le papier n'était même pas valable. Et maintenant qu'il y a la nouvelle présidente, en fait, ils savaient déjà, sauf que nous on n'était pas au courant, comme quoi la présidente avait accepté que le Drift Motors appartienne à monsieur McCormack. Donc en fait, on n'était pas au courant, on ne savait rien, donc en fait, on nous a réunis pour rien parce qu'on savait dès le début comme quoi on avait perdu. Du coup, l'affaire en gros, c'est pour savoir qui est propriétaire de. Oui, c'est ça. Motors. Sauf qu'en fait, ça servait à rien de le faire étant donné que le papier a été revu par la présidente et signé. Sauf que nous, on n'était pas du tout au courant de ça. Mais parle juste du fait qu'il nous a embauché au Black, que le Drift a ouvert le 8. Mais ça, que... je n'ai pas le droit, c'est extérieur. C'est extérieur. Ça, c'est extérieur. Ah bon? Bah, c'est terminé. Oui, ça va. Oui, moi, je vais vous parler. Bonjour, messieurs les avocats, comment allez-vous? On vous avait prévenu. Ah bah oui, bah, moi, je savais l'issue. Mais la prochaine fois, venez nous voir, monsieur. Ouais, c'est pas grave. Ah, parce que l'incompétence était flagrante. Oui, je pense que vous pouvez... Vous savez, messieurs, quand on dit on connaît la loi... C'est que nous la connaissons. Voilà, c'est pas juste une formule, monsieur. Voulez-vous notre numéro pour nous appeler la prochaine fois? Oui, on vous donne votre numéro. Ouais, donnez-moi votre numéro. 5733, messieurs. Et si, par exemple, là, on vous propose plus... Non, ça, c'est de la corruption, monsieur. C'est de la corruption et je sais pas d'où tu sors plus d'argent que le banquier, Clyde. Voilà, ça par contre, non, monsieur. La séance va reprendre. Allons-y. Il y a monsieur Dush qui est revenu. Je vous laisse rentrer. Cette affaire opposant le défendeur avec son avocate Maître Harley contre monsieur Sterling ou monsieur Cooper. C'est monsieur Cooper ou monsieur Sterling avec c'est Maître Sterling et Cooper. Oui, c'est moi. Je... Qu'est-ce qu'il faut? Excusez-moi, il y a le bouton qui sonne. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur Cooper, j'ai une question. Pourquoi les deux frères sont réunis dans la même salle? Mais arrêtez, alors qu'il y en a qui est concerné par cette affaire. Oui, je suis désolé. La vache merde. Pourquoi les deux sont à la place où il y a le client et les avocats en fait? Objection, nous pouvons répondre, bien évidemment. Tout simplement parce que il était banquier de la société, voilà. Mais qu'est-ce que vous dites? Bah, je viens de vous dire qu'il était banquier. Vous, qu'est-ce que vous dites? Mais les deux frères ne sont pas banquiers. Non, le comptable. Madame, il faut suivre, madame. Au bout d'un moment, l'affaire est. Oui, mais c'était pas à son nom. C'était pas. Objection rejetée, messieurs. Le frère de monsieur le banquier, de monsieur McCormack, n'a rien à faire devant, en tout cas. Est-ce qu'il peut retourner. Il était comptable de l'entreprise, il était humilié. Oui, non, mais c'est compréhensible. Faisons plaisir à madame Marley tout de même. 1-6-R-3-4-F, un verdict quant à la propriété et le droit d'exécution de l'entreprise revient à monsieur McCormack à 100%. Ce dernier se verra attribuer après un papier de droit affirmant et faisant allusion à non seulement sa propriété et son droit d'exercice sur l'entreprise avec aucune possibilité de faire appel à cette décision. La séance est levée. Je vous remercie votre honneur, je vous remercie. Merci votre honneur, merci maître Harvey. Merci. Bravo à tous. Retournez chercher la carte au trésor. Voilà, Hassan, 3 semaines pour que tu perds 250 000 et que tu les as enculés. Je vais rechasser des œufs. Je comprends pas. Merci pour les travaux. Bah merci à vous. Bon, bah comme prévu, c'était une bataille, je pense. Et voilà, on avait quand même annoncé la couleur. On s'est occupé de vous du début à la fin, je pense. Vous êtes rock, monsieur. Vous êtes rock. Et là, croyez-moi, on a levé le pied. On a été très gentil. On n'était pas en mode agressif, voyez-vous. Oui, croyez-nous. Il n'y avait pas de bataille. Donc, félicitations, vous êtes donc bien le propriétaire à 100% de la société. J'en ai jamais douté. Voilà, toutes mes félicitations. Et puis, si vous avez besoin.
Oui. Est-ce que moi, de mon côté, Tonton, je dois porter plainte pour tous les désagréments qui ont été causés par cette mascarade, Tonton, à savoir toutes les pertes financières qui ont été à l'encontre de mon entreprise et de ma propre personne. Est-ce que ça a un impact considérable? 3 millions de dollars. C'est un impact considérable. C'est un impact. Appelez Carglass. Comment vous le sentez? Avez-vous l'intégralité des dossiers en votre cause? J'ai tout envoyé à Monsieur Sterling, à tous les documents. C'est pour ça que j'avais quand même pas mal. Eh ben, écoutez, la première procédure concerne que vous portez plainte auprès de la police, non pas du procureur, monsieur, de la police. Vous portez plainte et à ce moment-là, je gagne de toute façon. Voilà, à ce moment-là, il y aura un procès, il y aura une enquête et nous interviendrons à ce moment-là. Voilà. Eh ben, écoutez, merci pour vos services, messieurs. N'hésitez pas à me recontacter pour ce contrat qu'on voulait signer pour nous lier. Il a été signé. Voilà. N'hésitez surtout pas à nous payer, monsieur McCormack. Oui, n'hésitez pas à nous payer pour la semaine, tout de même. Voilà. J'hésiterai pas. J'attends que vous m'envoyiez un exemplaire des contrats et je vous paye instantanément. Non, mais bon, voilà. Particulièrement, en tout cas, la petite prime pour l'affaire, évidemment. Évidemment. Voilà, évidemment. Bah écoutez, on ne vous dérange pas plus, monsieur. Félicitations encore. Merci encore à vous. Vous pouvez merci à vous, monsieur McCormack. Enfin, monsieur McCormack, vous avez. Oui, monsieur. En vous remerciant, et puis, bon, ben voilà, vous avez vu une petite représentation de la loi, pas grand chose. C'est beau. Je pense qu'une fois rentrée dans le commissariat, elle a lâché l'affaire, si je puis me permettre. Elle a abandonné. Elle savait que c'était perdu d'avance. Je pense qu'elle l'a jamais tenu. Oui, bah parce que le boulot a été bien fait, tout simplement. Oui, c'est une hystérique. Voilà. Bon, bah passez une bonne journée, messieurs. On vous remercie et nous on a du plein sur la page. Écoutez, bon courage. Je vous notifierai par SMS dès que votre prime sera déposée. Voilà. Très bien. Parfait. Je m'occupe de ça au plus vite et vous serez averti. Très bien, monsieur. Bien passé. Bonne soirée. Apparemment. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ça c'est fait. Voilà, Cooper. Attends. Hop, monsieur, vous croyez qu'on n'allait pas vous voir, là, monsieur, vous savez ce que c'est le harcèlement policier? C'est pas... C'est une question. Est-ce que vous savez ce que c'est le harcèlement policier? Posez-moi une question, je vous réponds, monsieur. Voilà, notre avocat... Notre client va garder le silence. Si vous avez une question, vous nous la posez. Gardez, parce que là... Non, s'il te plaît, non. Monsieur Kossou a porté plainte à McCormack. Non, oh yes. Parce qu'il n'a pas payé. Et monsieur McCormack m'a dit qu'il n'avait pas payé parce que l'entreprise était figée ou je sais pas quoi, du coup il peut pas le payer. Oui, c'était bien. Étant donné que l'entreprise est qu'on revient. Oui, mais vous voulez pas les laisser quand même juste reprendre un petit peu tranquillement. Laissez la justice faire son travail, monsieur. Oui, vous voulez pas laisser quelques jours passer. C'est plus rapide qu'il. Parce que dans tous les cas, il m'a dit. Quel est votre intérêt dans cette histoire, monsieur? Je ne comprends pas. Je suis policier et j'aimerais classer la plainte qui a été faite. Vous êtes juge, monsieur, peut-être. Bah là, mais j'ai envie de savoir. Vous êtes procureur, monsieur, peut-être. Enfin, le jugement a été gagné. Du coup, une des deux plaintes est. Et peut-être qu'il y a une autre affaire, monsieur. Peut-être qu'il y a une autre affaire dans l'histoire et qu'on n'a pas de preuves à vous montrer, sachant que vous êtes en lien a priori avec monsieur McCormish. Je suis en lien avec personne. Alors, monsieur, par contre, si je peux me permettre, niveau discrétion, c'est pas trop ça la prochaine fois. On a connu mieux. Qu'est-ce qu'on en a à faire de la discrétion là pour ça? Bah, vous avez attendu qu'on décroche de monsieur le banquier pour essayer. Bah, oui, je vous laissais finir vos discussions. C'est quoi, l'affaire elle est finie là? L'affaire elle est finie, voilà. Il y a encore secret défense. Non, l'affaire est dans le sac. Oui, voilà. Non, il y a possiblement une autre affaire en cours, monsieur, donc on n'a pas à répondre à vos questions et mon client n'a pas à répondre à vos questions. Bon. Vous l'avez énervé, Sterling. Oui, non, mais il est énervant. au bout d'un moment... Vous vouliez lui répondre ou pas, monsieur? Serre, hein. Oui, il a l'air d'être de mèche avec son cousin ou je sais pas quoi, là. C'est marrant parce que les policiers ont l'air de faire leur travail que quand c'est contre ma personne, mais quand moi je dépose des plaintes, j'attends plusieurs mois. Écoutez, à partir de maintenant, vous ne répondez à aucune question des policiers sans la présence de votre avocat. Même si c'est quelqu'un qui vous paraît gentil, qui veut juste des informations, vous ne répondez pas sans la présence d'un avocat. Voilà, que les choses soient claires, nettes et précises. Les choses sont claires, Sterling, Très bien, bon bah tenez informé à madame la présidente que ça vous appartient et félicitations encore. Et félicitations. Voilà, vivement notre fiche. Merci monsieur. Voilà. Et n'hésitez pas à dire autour de vous Sterling Cooper, avocat. Bien sûr. Les meilleurs. Les meilleurs. Voilà. Au revoir.